Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite des quêtes de Sérénéade. Donc, la dernière fois, nous avions fini d'explorer la mine des Dukaki et fini toutes les quêtes référentes à cet endroit-là. Et là, nous sommes venus ici pour la quête de cette statue décapitée à qui nous avons rendu sa tête. Et nous allons maintenant continuer à monter dans les montagnes pour se diriger vers les prochaines quêtes. Alors, l'endroit que j'aime beaucoup, d'ailleurs, que je trouve assez joli. Alors là, on a des Targhena, par contre 45, on est qu'à 40, donc on ne peut pas les cueillir, il va falloir essayer de trouver des trucs à extraire, qu'on pourra extraire, entre autres des quartz roses, je vois, qui sont au niveau 40, pour essayer de monter à 45. Donc là, vous voyez qu'on a beaucoup plus de mal. Parce qu'en fait, on a 40 en compétences et que c'est un truc de niveau 40. Donc, on a un petit peu de mal à l'extraire. Et là, on ne sait pas si on va y arriver ou pas d'ailleurs. Si, on y est arrivé, c'est cool. Alors, les abeilles, ces montagnes qui sont des espèces de mouflons en fait. Hein. À quatre cornes, quand même, vous remarquerez. L'endroit, c'est assez la jungle, hein. C'est assez sympa, je trouve. J'aime beaucoup l'endroit. Et là-bas, nous avons une quête avec l'Agos courtois, qui est en fait un mouflon. Les condors, par contre, sont agressifs. Si vous mettez la souris dessus, vous voyez, ils paraissent cool, mais ils sont agressifs. C'est marqué agressif. D'ailleurs, la preuve. Il nous a empoisonné, vous voyez, on devient vert. Donc voilà, on continue à subir les dommages. Alors on peut prendre soit une potion lorsqu'on est mal, soit attendre tout simplement. Voilà, c'est fini. On a perdu quelques points. On va récupérer le quartz rose. Et parler à la gosse Salutations. qui va nous donner deux quêtes, donc de la collecte. Le premier, qu'est-ce qu'il va nous demander? Alors, il nous demande des racines de Targhena, justement, que nous ne pouvons pas pour le moment Prenez soin de vous. ramasser, Une car nous belle n'avons pas de journée, niveau. non? Et ensuite, il va nous demander de récupérer de l'avoine qui est encore au niveau Heureux supérieur. d'avoir fait votre connaissance. Donc pour l'instant, il faudra revenir se faire ces quêtes plus tard. On est un petit peu bloqué là-dessus. Dommage, des Targhena, il y en a plein, plein, plein partout. Malheureusement, on ne peut pas les ramasser pour l'instant. Nous avons d'autres quêtes ici. Vous voyez, de l'avoine ici, c'est niveau 55, donc on n'y est pas du tout. On va rendre la quête à Anasia. Bienvenue, Deva. Le présent pour le pèlerin. Salutations. Et prendre la nouvelle quête qui nous demande des champignons soporifica de cueillir en quantité. Prenez soin de vous. Qui sont dans la grotte juste à côté, si je me rappelle bien. La lumière de Damariel soit sur notre rencontre. Et là, il veut de la nourriture, donc il veut des jarrets d'abex et des magrets de condor. Prenez soin de vous. Alors, au cas où vous n'auriez pas vu, il y a plein d'abex dans le coin. Donc on va. On n'a pas besoin d'aller loin pour aller chasser. Cible incorrecte. Tiens, on vient de prendre. J'ai vu. On va en profiter pour prendre un agent de concentration qui nous rajoute ici, on le voit. L'attaque magique. Alors ici, il nous faut récupérer le champignon soporifique. Par contre, les petites araignées, elles sont pas très dangereuses, mais elles sont nombreuses aussi. Nous gênent un petit peu. Vous n'avez plus de cible. Votre cible est introuvable. Voilà.
On va passer, il y a une petite grotte. Hein. On va passer à la grotte pour récupérer tout ce qu'on a récupéré. Un champignon de plus. Une petite araignée. J'ai cru qu'on allait la tuer un coup, donc ça n'a pas marché. Un champignon de plus. Un abex. Et un deuxième jarret. Bon, le fer nous fait moins monter, mais vu qu'il faudrait qu'on monte rapidement, on va quand même cuire le fer. Cible incorrecte. Fait cueillir, ramasser le fer, on va dire plutôt. Parce que... Oula, c'est allé vite. Ouais, comment ça va, ça y est. Je n'arrive pas. Il y a un endroit précis, là, il y a un petit bug, voilà. C'est juste à cet endroit-là. Et les champignons, pour les champignons, c'est bon. On va essayer de passer pour continuer. Vous voyez, de l'avoine de nouveau. Il nous manque un avec ces montagnes à tuer. Ça va être celui-là. Et nous avons le jarret et il nous manquait des condors. C'est pas ce qui manque ici. Condor royal, va aller. Vous avez choisi une cible incorrecte. Il en faut 5. S'il y a du fer. Un second magret. Vous connaissez le magret de canard, mais là, le magret de condor, ça doit être quand même plus balèze. Je suis pas sûr que ça soit super tendre, hein, comme viande, mais bon. Donc, de l'avoine, pour l'instant. Pas question de l'accueillir, on est loin d'avoir le niveau. Par contre, on a un peu de fer ici. Vous avez vu le fer que ça va beaucoup plus vite hein, parce que c'est au niveau 15 donc on n'a aucune difficulté à le cueillir. Un troisième magret. Et un cinquième. Voilà, ben on va commencer à rendre ces quêtes-là. D'autres fers. Par contre, vous voyez, ça monte beaucoup plus avec du fer, ça monte beaucoup plus lentement avec la compétence à extraction que lorsqu'on fait avec l'argent. Un tas 42 toutefois. Est-ce qu'elle va nous suivre? Je crois qu'on va être obligé de la tuer. Voilà, nous allons rendre les quêtes en Asie d'abord. Bienvenue, Deva. Les champignons.
que voici. Bienvenue, Devar. Cadre Noah. À qui on donne à manger. Voilà. Sur ce, on va continuer jusqu'à au prochain petit camp, on va dire. On ne peut pas appeler ça un village. C'est un camp dans la montagne. On va reprendre du fer ici. Ah, c'est pas une bonne idée. On va essayer de ramasser tout ce qu'on voit sur la route pour monter notre compétence. Bon, là, on va juste se contenter de filer. On devrait être plus rapide à Tarkena. Ça y est, elle a fait demi-tour aussi. Du fer de nouveau ici. Encore du fer. Donc l'avoine, je crois que c'est le seul endroit d'ailleurs où il y en a, c'est par ici. Je ne me rappelle pas en avoir vu ailleurs. Donc les abex ne sont pas agressifs, vous l'avez vu, vous voyez, il n'y a pas le agressif qui s'inscrit. Ce qui nous arrange, ça nous permet de passer au milieu sans être inquiété. Encore un petit peu de fer et un condor qui lui est agressif, donc on va essayer de passer au large. Du fer, toujours du fer. Nous sommes à 43. Le fer, on en trouve partout, c'est très commun évidemment, ça paraît logique. On trouve plus évidemment de fer que d'émeraude. Eh ben, je me suis retrouvé bloqué, enchevêtré dans les plantes. Ah, et là, nous avons la quête, vous voyez, le bullet trip venimeux, je ne sais pas si vous vous rappelez, on nous avait donné cette quête lorsqu'on était en bas, dans la forêt des dragons, enfin, dans le bois des dragons, à Collerette. On nous avait dit qu'il fallait qu'on tue le bullet trip. Je suis fatigué aujourd'hui, moi. Venimeux. Alors, le bullet trip venimeux se trouve ici. Alors, par contre, je crois que pour le battre, il nous faut... On a du mal à le battre comme ça, mais quoique là, on a un super niveau. Vous voyez, on ne peut pas aller plus loin ici, parce qu'en fait, il nous faut aller ici dans le truc de quête, et prendre la potion. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Pour continuer à le tuer. Cible incorrecte. Et voilà. Et voilà Kato qui est apparu, du coup. Aidez-moi. Qui nous récompensa pour avoir terminé cette quête. Alors ici, nous allons avoir qui vont apparaître. Nous avons un coffret que nous avons eu. Ici, il suffit de double-cliquer dessus, il n'y a pas de place en inventaire, on va voir si on peut acheter des places. Oui, on peut acheter encore 150 000, super. Ah oui, on a pas mal de trucs. Un coffret de pièces de bronze.
Donc il nous rajoute des pièces de bronze. Non, ça c'est des pièces de fer. Des pièces de bronze ici. On en a 10, vous voyez. Je vais ouvrir celui-là. Et nous en avons 17. Alors ces pièces de bronze, ces pièces d'argent, de fer, etc. vont nous servir à acheter des armes un peu particulières, un peu spéciales. On va s'en aller de là. Et on va aller jusqu'au prochain ici. C'est une quête à rendre à Rosino. Encore du fer. Tiens, on va le prendre au passage. Vous pouvez double-cliquer de loin et lâcher les mêmes. Sans les mêmes. Ça y va tout seul. Voilà. On va juste prendre les quêtes et rendre les quêtes et prendre les nouvelles. Et on va s'arrêter ici. Oui. Pour aujourd'hui. Oui. Donc, vous voyez, là, il y en a un paquet. Là. On a l'antidote contre les arachnes qu'on lui apporte. Oui. Exprimez-vous. L'antidote de Roseino contre les... Oui, exprimez-vous. Et voilà, il va nous demander de massacrer des vaseux. Prenez soin de vous. Des vaseux corrompus, salutations, mon enfant. C'est pas n'importe quoi. Il nous faudra du sang de garnoule. Les garnoules, c'est l'espèce de grenouille que vous avez vue. Je sais pas si vous avez fait attention. Corélisea, salutations, qui est au milieu, là, très sympa. Et il nous faudrait des échantillons de plantes des marais, qui seront dans les marécages en bas. Prenez soin de vous. Meliodas, elle va nous donner les plumes violentes, donc des plumes à tuer. Ce sont des plumes contaminées. Et les pierres mystérieuses à collecter. Puis Sion vous protéger. Alors là, déjà regardez les marécages en bas, la cascade et tout. C'était assez sympathique. Hein. On voit d'ailleurs en bas les plantes des marais corrompus qu'il nous faudra ramasser. Là-dessus, nous allons donc nous quitter. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour la suite. Miaou, t'es bien. Ciao.